Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 634, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nou toujou dans le Nouveau Testament. Après la période des évangiles, la période de l'église primitive, nou pral présente ou la période des épîtres. Dans le monde évangélique, le plus souvent, une épître est définie comme un fragment de l'écriture sainte. De façon générale, dans les épîtres, nous trouvons le développement des grandes doctrines évangéliques. Dans le livre Actes des Apôtres, là, nous trouvons la naissance de l'Église de Dieu. Et à travers les épîtres, nous trouvons le développement des premières églises locales. Et une bagaille qui favorisait la croissance de l'Église, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Chrétien, il a besoin bien comprendre la parole de Dieu pour être capable de mieux accomplir le ministère et le plan de Dieu pour sa vie et pour le monde. Dans le canon biblique du Nouveau Testament, nous avons 22 épîtres. Lessa n'a considéré également le livre de l'Apocalypse comme une épître. Et 22 livres sa yo, yo te écrit entre les années 45 jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ. Parmi les auteurs de ces livres, nous trouvons l'apôtre Paul qui écrit une douzaine d'épîtres, l'apôtre Jean qui écrit 3 épîtres plus le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Pierre qui écrit 2 épîtres. Ensuite, nous joignons Jacques, Jude, yo chaque yo écrit yon épître. Également, nous gagnons l'épître aux Hébreux que un pile théologien, pas trop fit entendre concernant l'auteur de cette épître. Zami mouen, pas étonné si nous disons les épîtres du Nouveau Testament ne sont pas classés dans l'ordre chronologique. Classement traditionnel la plus fait selon les auteurs. Mais nous qu'à profiter dans le numéro ça pour une idée de la date de rédaction de chaque livre. Par exemple, l'épître de Jacques a été écrite en l'an 45 après Jésus-Christ. Galates, l'an 47. 1 et 2 Thessaloniciens, l'an 51. 1 et 2 Corinthiens, l'an 56. Romains, l'an 57. L'épître aux Hébreux a été écrite en l'an 59 après Jésus-Christ. Éphésiens, l'an 60. Colossiens, l'an 61. Philippiens, l'an 61. Philémon, l'an 62. 1 Timothée, l'an 62. Titre a été écrit en l'an 66 après Jésus-Christ. 2 Timothée, l'an 67. Jude, l'an 68. 1 et 2 Pierre, l'an 68, 1, 2 et 3 Jean ont été écrites dans les années 95 après Jésus-Christ et l'Apocalypse toujours en l'an 75 après Jésus-Christ. Nous reconnaissons également que chaque livre sa yo gagne histoire pa yo ensemble avec objectif spécifique yo. Par exemple, l'épître aux Romains a été écrite pour montrer la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. L'épître aux Galates est écrit pour combattre le légalisme religieux. L'épître aux Colossiens a encouragé la réconciliation avec Dieu et la bonne marche du foyer chrétien. 1 Thessaloniciens a montré les événements concernant l'avènement du Seigneur, les événements dans les derniers temps et surtout la sanctification. 2 Thessaloniciens présentait l'enlèvement de l'Église et la révélation. L'Épître à Tite a présenté le statut des anciens dans l'Église et également le chrétien et ce monde. L'Épître aux Hébreux est écrit pour combattre l'apostasie dans l'Église. 1 Pierre portait en pile accent sur le baptême et la tenue vestimentaire des chrétiens. Bon, concernant l'Apocalypse, nous placer parmi les épîtres parce que ce livre a été écrit aux 7 églises d'Asie. Mais ça pas un problème si un pile théologien pas considéré comme une épître parce que il plus welcome un livre
prophétique. Nous connaissons ce livre a été écrit pour décrire les événements concernant la fin des temps et la fin du monde. Et pas oublier, nous invitons pour capable personnellement commencer ou bien continuer votre lecture dans les épîtres de la Bible. Et nous croyons, nous sommes certains, ou avez besoin d'un pile provision pour la vie et vous avez grandi spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Bonne lecture.